Salut et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Ongles et couleurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le magnifique Daisy Does It de chez Color Club. Sur une base jaune, je vais appliquer une première couche de ce vernis. Donc on peut voir que c'est un vernis assez liquide mais qui ne coule pas. On a un excellent confort d'étalage. On peut repasser plusieurs fois avec le pinceau sans faire de marque pour améliorer la pose sans aucun problème. On peut remarquer dès la première couche la brillance des mini paillettes et les reflets magnifiques qu'ils donnent. On le voit pas sur la vidéo, mais ça donne aussi des reflets un peu verts, entre vert et jaune. Pour encore plus de brillance, j'ai appliqué une deuxième couche sur mes ongles. Selon votre convenance, vous pouvez en mettre une ou deux, c'est selon le résultat que vous souhaitez obtenir. On peut déjà voir à quel point ça renforce la brillance du vernis. Selon la lumière, il a parfois aussi des petits reflets orangés. Et le temps de séchage est relativement rapide. En 2 minutes, c'est sec au toucher. Et en 3, c'est relativement sec à cœur. Voilà ce que ça donne sans top coat. Pour moi, c'est un vernis très sympathique que je vous conseille. Je l'ai trouvé chez Adnails en solde à 3,60€, je crois. Comme il était quand même un peu transparent, j'ai voulu l'essayer sur d'autres bases colorées. En commençant par une base noire qui a fait ressortir tous les reflets verts. Ensuite, sur une base blanche, il y a peu de différence avec une base jaune. Et sans aucune base pour vous montrer comment il est tout seul. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette nouvelle rubrique vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous retrouve dans ma nouvelle rubrique Nail Art Express pour une petite décoration de ce vernis.